La doctrine de la succession apostolique est au cœur de plusieurs questionnements en RDC. Après la mort de l'autorité suprême de l'Église, le problème se pose : à qui remettre le bâton du commandement pour la continuité de l'œuvre de Dieu ? Certains pasteurs, tout comme visionnaires, préparent leurs enfants en avance pour un probable héritage. Cette pratique, considérée comme une dynastie à la tête de la maison des dieux, crée une confusion entre la succession biologique et spirituelle. Il y a deux points à savoir là-dessus. Soit, pendant qu'il était en train de servir le Seigneur, il a eu un temps de préparer aussi les capacités spirituelles de son fils, parce que l'Église n'est pas quelque chose qu'on peut céder sans capacité spirituelle. Lorsque le pasteur a eu le temps de préparer son fils, là, ça se comprend. Mais s'il arrive que le fils n'a pas été préparé, n'a pas été dans le plan de Dieu, mais on laisse l'Église... Là, c'est vraiment une église charnelle qui a été dirigée par l'homme sans que la volonté de Dieu ne soit impliquée là-dedans. Le chef suprême de l'église étant Jésus-Christ pour le chrétien. Seules les compétences spirituelles doivent prévaloir dans la succession apostolique. C'est les compétences spirituelles qui mettent la personne à la place qu'il faut à l'église. Ça, nous tenons vraiment compte, parce que sans les spirituels, il n'y aura pas de guérison. Physiquement, tout le monde peut le faire parce que c'est une administration que tout le monde peut gérer. Mais l'Église, c'est l'entité spirituelle qui mérite les choses spirituelles. Toutefois, il n'est pas interdit à un fils d'un pasteur de remplacer son père avec la volonté de Dieu. Mais l'Église ne doit pas être un patrimoine privé grâce auquel on pourra se taper une santé financière. Si cela est en train de se passer parce que vous voulez vous protéger, prendre l'Église comme si c'est votre bien privé, là où vous allez vraiment mettre la succession familiale, en tout cas, si Dieu ne vous le demande pas et n'est pas le maître de ce que vous êtes en train de faire, j'interpelle vraiment à ce pasteur d'arrêter, parce que la vie sur la terre, elle est très courte. Nous irons, nous partirons un jour. Elie Nehema, responsable de la mission évangélique, le temps de la solution, appelle ses collègues pasteurs à ne pas confondre l'appel de Dieu et le vœu charnel.